commission n'a rien à dire. On va faire un petit tour à la baie d'Amara déjà, histoire d'acheter des améliorations pour les flingues. Ça va, K9? Oui. C'est là les armes, ouais. Peut-être les armures. Nos Astra. Non, ça s'en branle. Ah non, les gantelets. Les gantelets. Armement d'étape, de l'état butarien. Toujours rien d'intéressant. Canal Exports. Rien d'intéressant. Sirta. Plus rien. Cassa. Rien. Egor. Rien. Les spectres. Rien d'abordable. Armure Récyprine. Rien. Moi, je veux des armures. Hein. Armure Cerberus. Non. Non, pas envie. Ça, si je le prends, c'est quand j'aurais cheaté et que je me serais mis à 12 millions de thunes. Le fusil d'assaut. Il est où? C'est le M5? Un truc comme ça. Bon, ça, je vais le prendre parce que c'est rigolo. Bombardier M7. Ah, bah, c'est ça. Alors, je prends tellement ça. Et l'améliorer un max hein, parce que on a besoin. On a besoin d'une arme violente. Encore. Si je peux le mettre à fond, c'est bien. Hein. Ah bah c'est bon. Celui-là aussi, c'est rigolo. Ok, donc ils ont 5. Bon, celui-là, on va le faire aussi. Il est à la fin là. Ok. Très bien. On va se casser alors. On va se casser. Quartier du capitaine. Histoire de changer. Nourrir les poissons déjà. Et changer un peu toute cette. Normalement, j'ai les gantelets du conseil de CRS. Ah mais j'ai pas les... D'accord. Le viseur Umbra, c'est pas mal. On va changer la tenue quotidienne. Changer le matériau, le motif. On va regarder en rouge. Et les lumières blanches, voilà, j'ai l'air malin. Parfait. J'aime avoir l'air malin. Toujours là le hamster? Mais oui. Et là, on s'en branle. Ok, bon. La passerelle. C'est important aussi. Une petite sauvegarde rapide. Et où est-ce qu'on pourrait aller? Non, c'est autant qu'à faire. J'ai fini la. Bon, je la finirai plus tard, cette région-là. J'ai d'autres choses à faire en attendant. J'ai plein de trucs à faire en fait. On va aller dans le désert de Minotaurès. Et voir les fameux chercheurs. Très nord, je crois que vous avez dit oui. Il y a des chercheurs quelque part. Ils ont lancé un appel de détresse, tout ça. J'ai trouvé quelque chose. C'est parfait, ça, Idéa.
Des crédits, 10 000 crédits, bah, c'est bien, ils étaient là, ils sont tombés. Il y a du carburant, j'imagine. Et allons chercher ces fameux transfuges de Cerberus. Bon, bah ici, il n'y a que ça, apparemment. Sur Arae. On va prendre, du coup, Tali et James. Pour changer un petit peu, parce qu'il faut varier les plaisirs, c'est important. Ok, tout ça me paraît très bien. Comment dire, savons-nous depuis combien de temps ces chercheurs sont là-dedans? L'ordre de mission ne le dit pas. Commandant, putain la gueule. J'ai des signaux d'une unité de Cerberus qui attaque l'entrepôt. J'aurais dû mettre l'armure en noir et la lumière en vert pour faire en mode Sam Fisher. Il semblerait que d'autres troupes arrivent. Ok, larguez-nous en bas et filez d'ici. Il faut ces chercheurs vivants. Je crois que je ferai ça le prochain coup. C'est certainement une map multi, ça. Ah, ça me dit rien. Ah bah, GG. Oh, Jacob! Ça faisait longtemps, Jacob. Ça fait plaisir. Certainement lui qui a envoyé l'appel de détresse. Alors, donc, ce sont des humains, donc. Donc, Cryo. Donc toi, tu prends ce que tu veux, mais moi, Cryo. Mais on se les pèle ici. Ta gueule, putain. Ok, on continue. Le fusil à arc. Qu'est-ce que ces gens ont fait pour s'attirer autant d'ennuis ? J'adore ça. J'adore ce flingue. Non, vraiment, j'adore ce flingue. On peut peut-être les prendre par les flancs. Ah oui, j'adore le flanc. J'ouvre l'œil, Sam. Ah merde. Affirmatif. Une bonne question. Bonjour, est-ce que vous êtes encore vivant? Hé, qui est là? Salut. Jacob, c'est grave? Ça ira, je crois. Brin. Ici le commandant Shepard de l'Alliance. Périmètre sécurisé pour l'instant. Ouvrez la porte. Jacob est là? Tout va bien, Bryn. Pas une balle dans le buffet, mais ça va. Ah bah d'accord. Jacob. Oh mon dieu. Mais non, ça va, ça va. Je vais bien.
Mais les autres y sont restés. Un coup de médigel, c'est qu'est-ce que vous faites ici? Je suis supposé protéger ces gens de l'homme trouble et de ces chiens d'attaque. Ils sont partis? Oui, mais ils vont revenir. Vous allez bien? Ouais, ça passera tout seul. Et oui, il respire un bon coup. Sauvez-moi encore une fois et j'aurai une dette envers vous. Cette fois, c'est cadeau. Génial de vous revoir aussi. Shepard, c'est tellement le... Que vous avez fait le bon choix pour Cerberus. Ah bah d'accord. Shepard, voici le docteur Brinko. C'est tellement le mec dans... Il dirige les lieux. Dites-moi ce qui se passe. Il paraît que vous êtes dans les 12 travaux d'Astérix. Des transfuges. Vous êtes un sanglier. Surtout des chercheurs. Des civils? Plutôt des réfugiés. C'était la fuite ou la mort. J'espère que vous avez botté le train de Cerberus en partant. Nous avons pris tout ce que nous pouvions et détruit tout le reste. Bon, c'est déjà ça. Vous deviez vous douter qu'il vous trouverait. Nous sommes plutôt malins. Nous avons couvert nos arrières. Mais l'homme trouble est du genre tenace. Sans blague. Il faut évacuer. Ok. Oh, j'ai tellement une tête de con avec ce masque. Les toits soient connectés. Cerberus est parvenu à les brouiller. Sans les canons, nos navettes seront abattues en plein vol par Cerberus. Ok. Ce doit être la connexion réseau. Je vérifie et je vous rejoins. Et oui, le Wi-Fi. Jacob, faites soigner cette blessure. Ça ira. Enfin, j'y penserai. Commandant, je dois m'occuper des autres. Retrouvez-moi en haut quand vous pouvez. Ok. On va d'abord piller tout ce qu'il y a à Jacob, piller. C'est un vieil ami à vous? Il travaillait avec moi pour arrêter les récolteurs. Votre collègue était courageux. Il n'aurait pas voulu vous voir craquer comme ça. On va se tirer d'ici vivant. Promis. Il y a des trucs à voler. Un datapad. Voilà, des sous. Monsieur. Commandant, docteur Gavin Archer. On s'est rencontré sur le projet suprême. Oui, Archer. On peut dire ça comme ça. Oui. Après que vous ayez emmené mon frère à l'Académie Grissom, j'ai essayé d'oublier tout ça. J'imagine que vous n'avez pas eu de nouvelles. Des rumeurs disent que l'Académie a des ennuis. J'étais à l'Académie Grissom. Cerberus a tenté d'enlever les élèves, mais David va bien. Oh, merci. Commandant, vous n'imaginez pas à quel point ça me touche. Il est un peu tard pour s'inquiéter de sa sécurité. Bam! Je n'ai jamais cessé. Oui. Je sais que vous me prenez pour un monstre, et à raison. Mais sachez que ce que j'ai fait à David n'a pas cessé de me hanter depuis. Bah heureusement. Il ne me reste qu'à espérer qu'il me pardonne un jour. Je dois y aller. Et je ne vais même pas faire mine d'avoir été content de vous revoir. Je comprends. Mais commandant, merci d'avoir sauvé David. Les deux fois. Ça c'est vraiment la dèche. J'ai besoin de vous. D'accord, Joey. Et que ces échantillons du projet Mia partent avec la seconde navette. Projet Mia, genre pour apprendre j'ai à danser comme chez toi. Mes mains tremblent tellement. On va y arriver. Dans quel état sont les canons? On y travaille. J'ai mis les meilleurs dessus. Cool. Il y a combien de chercheurs ici? 43, plus leurs assistants. Comment avez-vous exfiltré autant de monde sans accroc? Quand on craint pour sa vie, on peut faire beaucoup. Bryn, je ne peux pas détruire les composants de l'amplificateur génétique à temps. Désolé, docteur Bénard. C'est important, mais vous devez vous occuper de votre famille. Quoi? Il y a des familles ici? Des enfants? Bordel de merde! Okay. Cette évacuation devra être menée avec soin. C'est qui? J'espérais. Nous avons tant fait pour éviter cette situation. Quoi de neuf? Pas grand chose. Je sais juste que je ne peux rien résoudre d'ici. Je monte sur le toit. Une navette de Cerberus y est posée. Mais fais-toi soigner, Jacob. Jacob, vous êtes blessé. Je le ferai. Voilà. Pas question. Ce sont mes protégés. J'y vais. Que vous ayez survécu à une mission suicide ne vous rend pas immortel. Bien. Mais je vous guiderai d'ici. Voilà, mais fais-toi soigner surtout. Mets-toi un coup de médigel, ça coûte rien, tout le monde en a. Appelez-moi par radio pour avoir le code quand vous aurez trouvé les commandes. Ok. D'accord. Oula, j'aime pas trop quand ça tire comme ça.
Shepard, par ici. J'arrive. C'est bon, tu te fais soigner? Ça va? Vous devenez quoi? Vous permettez? Ah, c'est dingue. Je ne pensais jamais vous revoir. Mais on vient de se voir. Et ta blessure était de l'autre côté. Alors, comment vous êtes devenu mercenaire? Longue histoire. C'était une occasion unique d'aider des gens qui comptent pour moi. Ça a l'air de bien vous réussir. Ces gens sont extra. Ils défendent leurs idéaux. J'aime ça. Je pense avoir trouvé ma voie. Je devrais me concentrer sur l'évacuation de ces gens. Oui, je dois y aller. Exact. Allez, au boulot. Oh, tu me donnes pas d'ordre. Je vais te calmer tout de suite. Sinon, je te sauve plus. Bonjour. Fabrication Cassa, parfait. Je ne risquerai pas. Les jambières, très bien. Je t'avais bien dit qu'il fallait aller au secours. Ces chercheurs ont été idiots de travailler pour Cerberus. Mais au moins, ils ont eu le courage de s'enfuir. L'homme trouble veut vraiment ces gens. Ça va chier. Alors peut-être vous entendez mon PC mouliner un petit peu, hein. Il commence à fatiguer avec la chaleur. Je vais bientôt changer un peu toute mon installation. Quand j'aurai le temps. Carniflex, évidemment. La base. Ennemi devant. Ou alors attendez, bougez pas parce que. Voilà. Va bien se passer. Ah mais j'ai pas mis les cryos sur le sniper, mais il a hésité tout à l'heure, c'est dégueulasse. Voilà. Vite, où est la tour du satellite? Je suis curieux que ce soit pas devenu une map multi ça. C'est étonnant. Genre. Ah genre il est scripté en fait. Non! T'es où? Facile. Jacob, la parabole devrait être connectée. Affirmatif. Et les canons sont toujours HS. Dame Ned. Vous allez devoir les activer manuellement. Revenez à la façade du complexe. Notre ennemi approche. On va les défoncer. Grâce au pouvoir de l'amitié. J'ai encore raté. J'ai compris. Ah bah non, c'est bon apparemment. On va pas se laisser faire par des mecs de Cerberus. Oh, calmez-vous. Tout va bien. Voilà. On doit aller là-haut activer ce canon anti-aérien manuellement. J'ai dit non.
Qui m'a tiré dessus? Peut-être où il faut appuyer ou non. Ah, c'est là, d'accord. Panne de connexion, réparer et réinitialiser. Oh. L'un de nous doit faire les réparations. Tali. Tali, réparez ça au plus vite. D'accord. Ok, James, c'est parti. C'est parti. Bon, James. Tu te mets là. Affirmatif. Et moi je prends ça. Parce que j'aime bien les mitrailleuses de l'écartier. Ça fait des gros dégâts. Où en sont les réparations? C'est pas assez rapide. Tire des roquettes lui parce que James. C'est bon? C'est fini, je pars. Activez les canons. Parfait. Entendez, je m'y mets. Désactivé. Allons-y. Il va me falloir de la défense, je pense, donc tac. Tout de suite. Bien sûr. Tac. Voilà. Ouais. Ça m'étonnerait qu'on se fasse pas attaquer. Mais... Ah bah non, c'est bon. Ok, bon, j'ai rien dit. Je me tais. Oui. Bien reçu. Sortons ces gens d'ici. Parfait. Ok. Les canons abattent déjà les appareils de Cerberus en vol. Où en sommes-nous? Ça avance. La première navette a déjà embarqué tous les enfants. Ah mais elle a pris une balle de chaque côté en fait. Quand devrions-nous partir? Comment agir au mieux? Jacob, qu'en pensez-vous? Tout est prêt? Presque. Nous pourrions y aller, mais c'est notre seule chance. Exact. On n'a qu'une chance. Et nous ne voulons rien laisser derrière nous qui puisse servir à l'homme trouble. À vous de décider. Allons-y. Très bien. On fait décoller ces navettes. Évacuation lancée. Évacuation lancée. Préparez-vous au départ. Percez un trou dans le périmètre avec les canons, puis lancez la navette 1. Écoutez, tout le monde à la baie d'amarrage et... Ah. Un chasseur kamikaze a détruit un canon. Les troupes de Cerberus sont... Ok. Sortez ces gens d'ici. Reste là. Ok. Je vous retrouve là-bas. Où ça? D'accord.
quand même qu'on descende. Affirmatif. Ça marche. Nettoyez d'abord la baie d'amarrage qu'on puisse lever la porte, puis aller sur la plateforme d'atterrissage. Okay. Calmez-vous. Jacob, ouvrez la porte principale. Je m'en occupe, Shepard. C'est parti. Ok, nous en sortons. Allez, on va aller défendre la porte directement par ici. Ok, moi je vais juste changer d'arme, les gars, hein, vous inquiétez pas. Oh merde. Voilà, plus de bouclier. Voilà. Jacob, répondez. Votre situation. J'ai peur. La complète est envahie. Les troupes de Cerberus sont partout. Vous avez des réfugiés, c'est ça? Affirmatif. Détruisez. On s'en charge. Il faut juste les retenir encore un peu. Tout va bien. C'était le dernier des civils. J'ai peur, attention, ils sont partout. Il faut partir. J'arrive avec la navette. Ok. Compris. Attendez. Oh merde. Un méca vient d'arriver. Jacob, je défends. On dégage une zone d'atterrissage. Oh, il est tellement violent ce flingue. Ça va rien dire. Il y en a un autre, je crois. J'ai vu quelqu'un d'autre. J'ai pu me tromper, mais je crois que j'ai vu quelqu'un. Ah ouais, j'ai vu une tourelle surtout. Ça pique. Easy. You. Jacob, zone d'atterrissage prête. Parfait. Je vous amène la navette. Bien reçu. Oh joli Jacob, un seul petit rictus. Encore un cheveu du désastre, hein, Shepard. Mais non, c'est toi le désastre. Ravi de vous revoir en action. Ouais, ça fait du bien. Je craignais de ne pouvoir sauver personne, mais grâce à vous, presque tout le monde est sauf. Merci. De rien. Docteur Cole, j'ai une requête que vous ne pouvez pas refuser. J'ai besoin de vous contre les moissonneurs. Je suis à votre disposition, sans hésitation. Oh, la coquine. Et je suis sûr que les autres le seront aussi. Vous aussi, Jacob. J'ai besoin de vous. Bien sûr, mais j'aimerais rester avec ces gens. Protégez-les, alors. L'Alliance a besoin de se creuser. Entendu. D'accord. Présentez-vous à l'amiral Hackett pour votre affectation. Vous savez, commandant,
Vous êtes vraiment quelqu'un d'unique. Je sais. Content de savoir que vous êtes de notre côté. Merci. Shepard, quand ce bordel sera terminé, je paierai ma tournée. Restez en vie. Ok, c'est noté. Ici Hackett. Je vous envoie une grosse équipe de scientifiques. J'ai le dossier. Ce sont des transfuges de Cerberus. Protégez-les. Très bien. Je les mets tout de suite au travail sur le creuset. Jacob Taylor est avec eux. Il s'occupe de trouver un endroit pour loger les familles. Il fera un atout très utile. Eh oui. Avoir réussi à sauver le Dr Cole de l'homme trouble est un joli coup. L'avoir avec nous pourrait être décisif. Plus vite on terminera le creuset, mieux je me porterai. Et moi aussi. Je suis d'accord. Shepard, terminé. Et bah voilà. Plus des, ouais, des financements de l'Alliance, parfait. Génial. Alors j'ai juste allé à la cabine, histoire de me transformer en... en Sam Fisher. Et on s'arrêtera là. Parce que mine de rien, ça fait plus d'une heure que je joue, moi. Je commence à me fatiguer, et puis j'ai faim, merde. Vous vous rendez pas compte, vous? Bande d'ingrats. Je déconne. C'est quoi que j'ai gagné? C'est les jambes. Les jambes qu'à ça. Ah, est-ce que j'ai autre chose qu'à ça? Ça a l'air d'être une armure assez légère. Alors, si je mets tout en noir... Et voilà, et là maintenant je suis Splinter Cell, quoi. Ah bah non, ça reste... Ah, c'est nul. Ah, je suis la déception. Ah voilà, maintenant je suis Splinter Cell. Parfait. Bon voilà, écoutez les gens. Donc on va se quitter ici, et on se retrouvera eh bien la prochaine fois. Pour faire une autre mission, je sais pas encore laquelle. Mais on verra bien, voilà. Donc moi je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour continuer cette épopée intergalactique. Voilà, des bisous.